Salut. Ah oui, nous bénissons encore le Seigneur, notre Dieu, pour sa grâce qu'il nous accorde encore un séjour, espérant aussi que vous avez le souffle de vie, parce que la parole nous dit il y a de l'espoir pour ceux qui là, pour ceux-là qui vivent encore. Alors, je voulais aussi parler sur quelque chose. Le livre d'Habacouc, le chapitre 2, le verset 4 nous dit, le juste vivra par la foi. Et je lis encore beaucoup plus l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 17. Ça nous parle encore très clair, nous dit, mais parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés, qu'est-ce que je voulais dire par ça? Je voulais juste vous rappeler que ne cessez pas à croire, ayez toujours foi. Je crois peut-être vous êtes en train d'espérer sur quelque chose. Il y a peut-être une promesse, il y a peut-être un problème, une circonstance de la vie sur laquelle vous étiez en train de penser que vous êtes en train de croire, vous êtes en train d'espérer. Continuez à croire, continuez à croire. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Je voulais juste vous appeler à ce que vous motivez, vous activez encore votre foi. Si elle était en train d'être faible, elle était en train de s'éteindre, veuillez l'allumer encore beaucoup plus. Parce que c'est par elle que nous devons vivre. C'est par elle que nous devons voir les choses que nous ne voyons pas. C'est par elle que nous devons obtenir les choses que nous n'avons pas. La Bible nous dit, Abraham espéra contre toute espérance. C'est-à-dire là où les hommes ne croyaient plus qu'il y aurait encore quelque chose. Pendant que les hommes pouvaient dire, là, ça devient maintenant impossible. Lui, il a cru. Il a cru et il a cru. Et la Bible nous dit bien, il a été imputé. Donc, croyez, vous serez aussi imputé. Si vous ne croyez pas, si vous cessez à croire, je ne crois pas que vous arriverez à voir des grandes choses. Je ne crois pas qu'il y aura la réalisation des grandes choses dans votre vie. Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, il dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Dieu ne nous supporte pas quand nous ne croyons pas. Quand nous n'avons plus de foi, Dieu ne nous supporte plus. Il a besoin de nous voir chaque fois motiver notre foi, activer notre foi. Donc, un juste nécessairement doit vivre par la foi. Il peut y arriver que tu manques quelque chose et tu ne sais même pas où est-ce que tu peux les trouver. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la chose s'accomplir. Crois seulement et tu obtiendras ce que tu es en train de chercher. Crois seulement, ne dis pas que c'est trop tard. Qu'on ne te trompe pas dans le monde que parce que tu as atteint je ne sais pas moi, dans le domaine de mariage, dans le domaine de l'accouchement, on peut te dire que non, tu es déjà au-delà. Chez Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas quelque chose qui peut faire obstacle à notre Dieu. Mais ce que je peux te dire beaucoup plus, c'est ta foi qui est une force puissante qui appelle des choses qu'on ne voit pas pour à l'existence. Ta foi appellera des choses qui n'existent pas à l'existence. Alors ne te décourage pas. Alors n'arrête pas à croire. Crois encore plus. Continue à croire jusqu'à ce que tu vois Dieu agir dans ta vie plutôt. Merci mes sœurs, merci mes frères, que Dieu vous bénisse.